Ah si, regarde, 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 regarde. Là-bas, tu vois la montagne? Au-dessus ouais. Des... On les voit, on les voit. Oui, c'est vrai. Parce on les voit. J'ai vu, si, j'avais si. Vu là, le, cet arbre-là. Lui, il est mort. Lui, il est bon, tu vois. Ah. On en a des cerisiers. On en a des cerisiers. Peut-être qu'on va monter la montagne. Les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On a le soleil. Je suis très heureux de vous retrouver avec le bro. Jisoo! Agnon à tous! C'est un truc que j'ai pas dit, même sur ma chaîne depuis longtemps! C'est vrai, ça fait longtemps que ça te fait. Ça fait un truc de le dire en plus! Vas-y, redis-le, redis-le! Agnon à tous! Bienvenue à Busan, les amis! On est parti pour un trip de plusieurs jours ici! Nous sommes le 29 mars 2024 et si on est là aujourd'hui, c'est parce que Busan, sous les cerisiers en fleurs normalement, si regarde la montagne, c'est tout blanc là-bas, tu vois! Ça va être superbe, on est vraiment à la bonne période! Donc on est très heureux! Vous allez nous accompagner dans cette visite. Installez-vous confortablement, on va en prendre plein les yeux. On arrive à la station Busan Yeok, on est venu en KTX de Séoul. On va se chercher un petit resto, là il est 11h30 à peu près. On va se trouver un petit resto pour manger, on va avoir toute la journée pleine, le soleil est là, le ciel bleu. Pouah, la qualité mec. C'est aussi le premier vlog que je vais faire avec le Samsung S24. Là, je filme avec mon téléphone. On va filmer en 4K. Vous pouvez augmenter la qualité sur votre YouTube là pour avoir le full qualité. Juste après, alors on va se faire la spécialité de Busan. Là, dans un resto vraiment en mode boui-boui. On sait ce que ça vend là. Voilà, là ça vend le cochon, le doji goop pop. Ça explose à chaque fois, ils font un truc cute alors que c'est ce qu'on va manger. Et là. Tu vois, en passant, j'ai vu qu'il y avait plein de monde dedans, là. Donc ça sera parfait. Oh, le resto à la bonne franquette, hein, c'est bien, hein, avec des papilles. Ouais, le vibe il est bien un peu. Ouais. Doji goop pap, qu'est-ce que c'est, les amis? On a ce bouillon, là ça a l'air d'être un bouillon piquant. Doji goop pap avec des tranches de porc normalement. Voilà. Oh, il y en a beaucoup, ils ont bien chargé. Ouais, ouais. Et on a le riz qu'on va mélanger dedans ou pas, suivant si on veut que ça soit plus fort ou moins. Et en accompagnement, toujours pour saler, dans ce truc de Sundae goop pap ou de Doji goop pap, on a des petites crevettes. On va pas saler avec du sel, on va saler avec ces petites crevettes qui vont apporter un goût supplémentaire en plus. Mmh. Et voilà, et on va se régaler, c'est la spécialité de Busan, Doji goop pap. Et ça boue toujours comme de la grosse lave, tu vois. Et les Français, ils comprennent pas comment ils arrivent, les Coréens, à manger un truc aussi chaud. C'est hyper chaud en vrai. Moi je dois toujours attendre, hein. Et alors que les Coréens, ils mangent direct. Ouais, ils mangent direct, ça. Ouais. Oh, t'es trop un BG, j'avais jamais vu ça. Alors, avec un petit peu de viande, moi j'aime bien goûter d'abord sans riz. Il est très clean, il a pas le goût un peu, l'odeur désagréable du porc. Même s'il est rouge, il n'est pas du tout épicé. Du coup, moi je sens aucune épice. Génial. On s'est régalé, c'était vraiment trop bon. Le resto s'appelle Miliang Doji Goop Pap. Il est juste à côté de la station de Busan, Busan Station. Et si je vous montre, c'est parce qu'au départ, on comptait pas aller manger à lui, on comptait aller manger un autre là-bas, plus moderne et tout. Et en fait, en passant devant, on a vu qu'il était plein et on s'est régalé. Voilà, si vous vous arrêtez à la station de Busan et que vous devez manger en arrivant, c'est le bon plan. Les écrans de bus à Busan, ils sont trop bien. Vous avez, donc là, c'est notre arrêt, le point jaune, et vous avez les bus qui arrivent, vous savez exactement, vous avez les numéros, et on sait exactement quand est-ce qu'ils arrivent. Là, on sait, il y a deux stations, c'est trop bien. Hey, salut, on se voit en reflet. Hey, ouais. Regarde si on fait un essai qu'on se filme en rentrant. Ouais, et puis rentrant, ça fait un peu dynamique, toi. Ouais, c'est vrai. Et là, on sera sûr vraiment d'être bien sur l'image. Regarde. Alors, on n'est pas allé là où on devait aller. On s'est arrêté avant, puisqu'il y a déjà plein de cerisiers. On va remonter là pendant presque 2 heures. On va marcher sur une route qui longe, qui est sur le bord d'une montagne, avec plein de vieilles habitations. Vous allez voir, ça va être sympa. La route s'appelle Mangyanglo. Regardez, si je zoome là, c'est écrit là. Mangyanglo. Mangyanglo. De quoi, c'est beau d'ici? Ah, tu mets une photo. On les voit hyper près là, c'est trop beau. C'est magnifique. Wow. C'est fou, hein. Celui-là, il est totalement éclos. Enfin... Totalement éclos, ouais, il est bien éclos, c'est parfait. C'est parfait, c'est magnifique. On dirait un faux. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Regarde, même la montagne d'en face, là, comme c'est joli. Tu vois toutes les couleurs dans la montagne? Oh, il y a un temple là-haut, regarde. Mais c'est quoi? Tu sais, il y en a deux là, ils sont hyper roses. Ça, c'est pas des cerisiers, non? C'est des pêchers, non? C'est quoi? C'est peut-être des pruniers ou alors c'est une race de cerisiers roses. Donc là, on est parti pour presque 2 heures de marche, hein, puisqu'on s'est arrêté plus tôt que ce qu'on pensait.
plus les bus ils vont bien avec les cerisiers. Enfin, ah là ça fait un... Ces bus là en bleu là ils sont beaux avec les cerisiers je crois. Grave. On est un poil trop tôt hein, parce que vous voyez là normalement tous les arbres au bord de la route, là ça commence un petit peu mais normalement tous les arbres là c'est des cerisiers donc ça fait une route toute blanche. Donc on est un... Enfin ça dépend parce qu'il y a des arbres qui sont éclos mais on est vraiment en début d'éclosion. Cette année ça arrive très tard, hein. C'est jamais arrivé aussi tard la floraison des cerisiers. Tu penses que c'est en haut ou en bas là? Je sais pas, mais en tout cas en bas c'est joli hein. Trop beau. Mais en fait ouais. Dès qu'il y a des cerisiers t'as l'impression qu'il y a un filtre sur le monde un peu, tu sais les filtres un peu fade tu vois. Ah. C'est beau. T'as vu un truc? Non, je vais voir, ça faisait un effet un peu stylé. Ah non, mais tu filmes? Ouais, bah je filmais là. Écoute, non mais attends, hey, l'escalier de secours, il est stylé non de la crèche là? Bon, ouais, quand t'arrives. Oui, ouais. Regardez les petits escaliers qui montent comme ça, toujours pour aller en haut de la montagne. En mode your name, ceux qui savent savent. C'est bien celui-là. Ouais, il est bien là, je vais faire une photo aussi. Ah, vraiment sympa, vraiment très très sympa cette rue. C'est marrant parce qu'il y a des oiseaux qui sont dessinés et on entend des oiseaux. Et des enfants qui crient, on passe devant une école là. Hein? Oh, il y a une petite nacelle pour monter les gens, regarde. Hey. C'est trop stylé. Moi je t'apprends des trucs comme ça. Mec, il est trop bien ce quartier. Il est trop trop bien. Et le petit étudiant là. Le petit étudiant, il est stylé. Il est stylé. Hein. Qui est venu chercher le ballon là. Avec le petit ballon là. Ouais, il est bien, bien, bien. Ça aurait pu être magnifique. Ça aurait pu être magnifique, mec. Avec ce petit truc, un petit peu là, un petit peu 2012. Là, tu vois. Mais c'est trop mignon. Là, c'est regarde mignon, les là. Trucs là. Là, c'est le cerisier, tout ça. Ils éclosent quelques fleurs là. On revient dans deux jours. Là ça claque. C'est ce que vous voulez un peu non? Dès que les cerisiers ils arrivent comme ça. Pouah. C'est trop coloré, c'est vraiment trop beau cet endroit. Même dans la montagne tout là-bas mec, on les voit bien les cerisiers, tu là, les c'est vois? C'est trop beau, t'as la rue, cerisier, montagne, truc qui tombe là. C'est trop stylé. Et on a une vue de ce côté-là, hein. Ça reste incroyable ici aussi. Hein. Dans tous les sens là. Regarde là les escaliers énormes décorés comme ça. Je les avais notés ceux-là. Non mais ils sont trop gentils. Tu vois il y avait les deux camions qui étaient garés. Il se met devant l'autre escalier que je vais prendre après. Et en fait ils étaient garés là devant l'escalier que je voulais choper ce spot. Et donc on lui a demandé s'il pouvait s'avancer. Il va être mieux. Non mais lui il est bien, c'est stylé, c'est trop beau. Et du coup attends parce que là on a le deuxième où ils se sont mis devant. Mais bon c'est pas grave, on va pas faire de photos donc vous le verrez comme ça. Il y a aussi ces escaliers qui sont très mignons avec les pâquerettes. Voilà. Il y a des pâquerettes, il y avait des coréennes qui se prenaient en photo là sur Instagram et ça rend très bien. Alors là c'est très joli ces spots ici. Et on a les cerisiers qui sont un peu sortis comme ça. Voilà, je pense qu'on a fini la rue. Voilà, c'était la rue Mangnyanglo. Et on voit qu'elle continue là les cerisiers. Attendez, je vais vous montrer. Ça c'est cerisier ça. Tout le long de la rue comme ça là. Et on est un poil trop tôt. Il y avait un taxi qui passait, ça tombe bien. On va le prendre pour aller à notre prochaine destination qui est un petit peu dans la même vibe. On espère normalement que ça sera éclos là-bas, mais normalement c'est le highlight vraiment du trip. On vient d'arriver à la station Nengjong-yok, la station Nengjong. Ouais mec, c'est impeccable là. Regarde-moi comme ça rentre bien là, comme ça. C'est superbe. Allez, on va se faire un petit arrêt à l'Imart pour se prendre à boire. On va profiter d'être installé là pour se faire la dégustation du brownie maison. À la tienne. Oh, il est comment? Il est incroyable. Oh. Je suis au paradis là, je crois. Bon, le temps de manger. Et il fait gris. Il n'y a plus de vent, il y avait grave de vent tout à l'heure. Là, au moins, il fait gris. Mais voilà, là, c'est trop bien là. Il y a du monde. Là, voilà, c'est le highlight, mais je t'ai dit, c'est vraiment le spot qui tourne le plus. Ah oui, oui, ça sur Insta. Ça s'appelle Bout de Goodwill, la route des cerisiers. Et le nom de la rue, je vais vous dire ça, on peut l'apprendre ou avec cette passerelle en bois au-dessus, ou alors par le dessous. Bah viens, on va déjà passer par en dessous et on la redescend. C'est quand tu dis ou alors par là, ça veut dire que tu veux pas aller par là. Mais non. Et voilà, bah tu vois là, il y a du monde. En plus, les amis, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous parler. Il faut que je fasse vite.
Je sais que la moitié d'entre vous vont passer cette publicité. Et pourtant, elle contient des annonces exclusives et confidentielles. Vous pouvez maintenant utiliser NordVPN sur 10 appareils simultanément. Faites-en profiter toute votre famille ou vos amis avec un seul compte. Accédez à du contenu qui n'est pas disponible dans votre pays, comme par exemple Dune 1 sur le Netflix américain en ce moment. Et bien sûr, tous les avantages que vous pouvez avoir en vous localisant virtuellement dans d'autres pays, comme par exemple des prix plus intéressants sur la réservation d'un hôtel. Vous pourrez en finir également avec les pubs sur YouTube en vous localisant dans certains pays, parce que dans certains pays, il n'y a pas de pub sur YouTube. Ou sinon, prenez tranquillement et sereinement l'abonnement. Des gens me regardent, je sais que je suis poursuivi. Ils sont derrière moi. Prenez tranquillement l'abonnement YouTube Premium pour moins de 2 euros par mois en vous localisant dans certains pays, c'est incroyable! Ils ont allumé les alarmes, ils m'ont repéré, je dois faire vite. Mais au-delà de tout ça, NordVPN, c'est l'outil ultime de cybersécurité. Grâce à sa protection anti-menace, soyez protégés des logiciels malveillants, des trackers et des publicités. Mais je ne veux pas vous convaincre de le prendre. Le mieux, c'est que vous vous fassiez votre propre idée, car vous pouvez l'essayer pendant 30 jours. Il est satisfait ou remboursé les 30 premiers jours. Ça vous permettra de le prendre, de l'essayer, de profiter des avantages comme ça, de tout ça pendant 30 jours. Aïe! Aïe. Bénéficiez d'une réduction exclusive sur l'abonnement de NordVPN avec le lien que je vous mets dans la description. Non, c'est en fait, j'étais en zoom et il y a eu ta grosse tête qui est arrivée devant. C'est sympa. Et voilà, en fait, là, la petite maison à droite. C'est le spot photo. C'est dommage, il n'y a pas le ciel bleu, mais. Mais c'est beau en vrai. Ah, bah oui, bien sûr que c'est beau. Comme d'hab. Comme d'hab. Les seuls deux mecs mais, dans bien ces sûr. Endroits. C'est tu viens pas avec tes potes? Viens les gars, on va en se prendre en photo sous les cerisiers. Oh trop bien. Oh t'as une bonne idée gros. Vas-y Jisoo. Hein? Vas-y si tu veux le faire. Tu seras le seul comme ça. Tu pourras avoir une photo toi tout seul. C'est Spider-Man. Voilà, c'est ça qu'on veut. On est dans l'équipe des gagnants là, Jisoo. On va faire des belles photos là. Oh, c'est joli avec le bus bleu. Là. Et les petites bandes rouges et tout, je trouve que ça rajoute un truc. C'est vrai. Tu as raison. Tu vois tous les détails. Passe par là. Passe par là, tout à fait. C'est pour ça qu'on est venu. Attends, le petit couple là-bas, là, si j'arrive à le zoomer. Comme ça. Leurs couleurs sont belles. Ouais. C'était le highlight. C'est beau. C'est une jolie rue. Ouais. Plein de charme au milieu de la ville comme ça. C'est les mieux que. Ils sont habillés de ouf pour les cerisiers, tout ça. Ah. Elle est habillée en fleur de cerisier. C'est vrai. Laquelle? Là-bas, en rose et blanc, là, c'est une fleur de cerisier. Comment elle est habillée là? C'est une fleur de cerisier. Le mec, il est en costard là-bas, mec. Ouais. Il n'y a que nous, on s'est pas habillé pour le shoot alors. Ouais, mais tu vois, ça on est unique. On va prendre maintenant le métro pour traverser une bonne partie de Busan et on va rejoindre le bord de mer avec la plage de Gwangalli. Et on va aller sur la plage là où on va se prendre un petit hôtel pour ce soir. On n'a pas réservé encore, j'espère qu'il y aura de la place malgré qu'on soit vendredi soir. Allez, c'est bon ça, timing parfait. Le petit métro busanien là. Le petit métro busanien. Exact. Est-ce qu'on peut s'asseoir, mec? On en a pour 25 minutes. Et là, regardez tout au bout, la plage. On arrive à Gwangalli, la plage de Gwangalli. Il y a deux grosses plages à Busan, Haeundae et Gwangalli. Ma préférée, c'est Gwangalli. Ouh! Alors attends, est-ce qu'on va sur le sable tout de suite ou... Vas-y, on va aller voir la rue normalement. Regardez, on va aller. Regardez, on arrive sur le bord de mer, c'est superbe. Mais avant, normalement, il y a une rue de cerisiers que j'ai notée dans mon planning là, qui est juste de ce côté par là. Petit cerisier au milieu de la ville. Non, je trouve ça plus sympa de voir au milieu de la ville que dans des parcs, quand c'est dans des parcs, quand c'est directement au milieu des bâtiments, au milieu des rues où l'on vit, je trouve ça plus sympa. Et oui, là, avec le pont en fond, on peut peut-être essayer de faire un truc pas mal. Insupportable. Ça donne trop faim, mec. C'est ça, on se mange le poulet comme ça, là. Quelle heure il est, là? C'est l'heure du poulet, non? Je pense qu'à la caméra, il ne peut pas la voir, mais l'odeur. Oh là 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 là. Eh oui, là ça claque. Et en plus, si on s'avance, on verra le bord de mer. C'était et ça la rue, vélo. Regarde. Oh, le petit vélo, yes. T'as eu le petit vélo? Regarde si tu zoomes un petit peu là. La rue complètement vélo, couverte. Non, mais non, mais avec le soleil qui traverse les pétales, ça change tout là. On a peu de chance d'avoir le mauvais temps tout à l'heure.
On arrive direct sur la plage, des regarde. Des cerisiers, ambiance plage, côté, ça là, claque. Waouh, ouais. Mec. Ça fait plaisir aussi en fait. Ça fait trop plaisir. J'avais pas réalisé qu'on allait voir de l'eau en fait, tu vois. Ça fait trop plaisir, mec. La météo est trop bien là. Je veux pas trop vous saouler avec ça, mais venez, on s'amuse un peu avec le zoom là. Un petit x10. On voit bien les voitures sur le pont qui bouge. Ces tours là-bas, elles sont impressionnantes. Avec le bruit de l'eau. Ah, c'est trop bien. Je suis trop content là. Je suis trop content de l'ambiance qu'il y a. Ah, un petit coup. Regarde avec la séance photo là-bas là. Comme ils sont beaux habillés en bleu et blanc. Ah, ils sont mais vraiment, c'est ils sont magnifiques. C'est magnifique. Oh, mais les coupes coréens, c'est. Et eux là, vas-y, les pieds dans l'eau, mais royal. On va se faire le resto. Là, on a posé nos affaires, ça fait du bien. Et là, on va se faire le resto barbecue coréen de cochon noir de Jeju-do. On va se régaler, vous connaissez, faut que je vous montre ça absolument là. Ces barbecues, c'est les meilleurs. Petit ensemble de viande, ça c'est du motsal, c'est le cou du cochon. Le petit champignon aussi qu'il y a toujours dans les barbecues. Et ça c'est le samgyeopsal, hein. Oui. Le fameuse poitrine. Et on a une très belle table avec des petites salades, des petites épices. Le barbecue coréen, high class, hein, avec le cochon noir de Jeju-do. On vient de goûter, les bouts sont incroyables. On vient, hein, la folie, hein. On vient de commander la petite soupe en plus, ça, le doenjang shige, c'est la soupe qui se marie super bien. Voilà, le petit riz. En plus, c'est trop bien parce que dans les bons restaurants de barbecue, c'est eux qui te le font comme ça, t'es sûr que c'est bien cuit, ils te le font bien. J'adore cet endroit, ce bord de mer. Il y a beaucoup de gens, en général, tout le monde va à Haeundae parce que c'est vraiment la plus connue. Alors que pour moi, vraiment, c'est Gwanggali, vraiment, avec le bord de mer tout éclairé comme ça, je trouve ça trop bien, Gwanggali. C'est très bien que j'ai envie de le faire. Ouais, on est là. Ouais, on représente. Ouais. Le pire truc, on n'arrive pas à ne pas le faire, tu vois. C'est fini, on ne va plus bloquer maintenant. Mec, ils ont essayé de rendre Busan un peu latino. Un peu latino. Parce que regarde, là-bas, ça s'appelle Casa Busano. C'est vraiment le même truc. Casa Busano. Oui, Casa Busano. J'aime bien. J'aime bien, ça sonne bien. Casa Busano. Casa Busano. Pourquoi ça te fait autant rire, le Casa Busano? Parce que Busan, c'est trop pas un mot latin, tu vois. C'est Casa Busano. Le Cum Hotel. Voilà, c'est tout pour moi. Et là, tu peux voir quand, à quelle heure et avec quoi, tu vois. Ouais. Et là, il y a le film. C'est trop bien. Tu peux t'installer, voir ton film ici. Ouais, c'est trop bien. Il y en a qui ont amené leur bière et tout, tu vois. Café Mignon. Café Mignon, c'est une chaîne. Ils en avaient en Séoul aussi. Et c'est des petites tartes, là. Ça nous fera notre petit déj de demain. Merci. Ça nous fera notre petit déj de demain, regarde ça là. Ouh, elle arrivait trop forte la vague. Mec, c'est quoi ces vagues de ouf d'un coup là? Mec, elle a eu une vague énorme. Regarde. Mec, j'ai fait congeler maintenant. Elle arrive. Yeah. Mec, c'est trop agréable même si c'est froid. C'est trop bien. Oh le kiff. Ah, bonne franquette. Le mec de l'hôtel nous a mis un stop direct. Il a dit viens, je te lave les pieds avant de rentrer.
Il y a les belles fleurs jaunes là, mais après c'est que ça, tu vois. C'est fini, ça a l'air fini, tu vois. Je sais pas du tout. On va faire les deux. Hein. Là, de toute façon, on est au bord de l'eau, c'est agréable. On vient de rejoindre Olyukdo. Olyukdo, là, on est sur le bord de l'eau. Le bord de, il y a les rochers là, les rochers là-bas. Donc du coup, on va se promener là. Il est censé avoir des. C'est pas les cerisiers là, c'est des petites fleurs jaunes, des cailloux. On est au bord de l'eau, c'est agréable. C'est joli là. Waouh, c'est ouf. L'eau, mec. Allô, les belles. Ouais, parle-toi, Lolo. Ah, c'est là-bas le petit spot là où les Corans se prennent en photo avec les fleurs jaunes. Là, on va y aller après. Ah non, faut mettre des chaussons pour marcher sur les vitres. Ah, ok. C'est ça le skywalk. C'est pas mal là, regarde, mec. Il tape des pieds. Oh putain, il est cassé le bout de verre. On parle. Mais ceux qui habitent là. Ouais. La vue de ouf, quoi, là, chez toi, comme ça, boum. Bah, t'es trop bien. Là, mec, j'ai un joli shot de toi là. Là, c'est beau là. Là c'était beau, en vrai il y a moyen de faire une petite photo. Shots, il y a des shots pas jolis de moi. T'es en train de filmer, j'espère. Si, ça filme là, bien sûr. Non, humble. Oh, putain, bah non, mais c'est sympa de dire ça. Les couleurs, mec, le bleu, le vert, le corbeau, je voulais choper le chat, il y a un joli chat là. Non, vas-y, je t'en prie. En vrai, sans faire exprès, on a trouvé un spot pour faire des photos là. C'est trop bien le petit chemin, les couleurs, les cerisiers, on est tout seul. Voilà, c'est trop bien, donc on se fait une petite séance photo que vous verrez sur Instagram, bien sûr. Hein. On a fait quelques photos sympas durant le trip, à retrouver sur Instagram, le mien et celui de Jisoo. Alors, on est parti dans un endroit. Ah, c'est lui, fait du sundae. Le sundae de Busan, là. C'est le boudin. On est parti dans un endroit, j'ai trouvé un resto de Jeonbok. Jeonbok, c'est, je sais plus comment on dit en français. Ballon. Non, ballon, c'est anglais. À chaque fois, ça me sort de la tête. Et du coup, là, on est parti complètement dans un quartier résidentiel, grand bâtiment. Ça change vraiment de décor, là. Là, c'est vraiment la nouvelle ville ici. Rien à voir avec l'endroit où on était hier. Ils ont mis les petits cerisiers, tu vois, qui commencent, qui dans quelques années seront jolis. Mais voilà, c'est vraiment les grands complexes, les grandes tours. Faut qu'on traverse, là. C'est vraiment ville futuriste. C'est tout propre, tout neuf, tout carré. Kamida. C'est magnifique avec là les jeonbok grillés. Toi, t'as une soupe. Mais mec, les plateaux sont magnifiques. Baïza! Vas-y, le nuage, tu peux partir, que je fasse mon auto-soleil. Ah, c'est bon, là, c'est bon. Là. On est retourné sur la plage, vraiment, on a trop kiffé ce matin. On a envie d'en profiter un peu plus. C'est bon, on a vu les cerisiers, vous avez vu aussi, c'est sympa. On a fait le tour. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce nouveau télé, ce nouvel enregistrement, cette qualité 4K vous a sublimé. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Maintenant que les beaux jours reviennent, on va enfin repartir en exploration. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis... Hasta la vista! Alors, j'ai absolument aucune idée. C'est beau. De comment faire le shot? De comment faire le shot et de qu'est-ce qu'on va faire parce que là, vraiment. Bienvenue! Sera bienvenue chez moi. Chez moi, chez nous. Chez nous, dans le Busan. Et non pas ailleurs, parce que comment toutes ces choses qui se passent, n'importe quoi, oh non, pile, le mec, qu'est-ce qu'il arrive, et là, comme ça sur la plage de Busan, on a vu la Busan, et dans Busan, c'est comme ça. Il y a aussi le Z qui n'est pas dans Busan. Je t'ai pas suivi là, mon frère. Le Busan, on va dans l'hôtel qui se trouve pas là, mais la plage qui est là. Wow.